Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Et d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Oh, mais quels sont merveilleux Arnaud, c'est formidable. Donc c'est le son du téléphone, parce qu'il y a des jours où comme ça, ouais. Internet passe, mais pas le son, donc c'est pas très grave. À savoir des fois. C'est ça, c'est la magie du direct. Ouais, un petit côté Minitel à l'ancienne, c'est bien. C'est ça, on va avoir un côté téléphone rose, c'est très bien. Oh, super. Donc bien je sors ma voix, Rock. Ah oui, il faut au moins ça. Allô, Ula. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue dans l'ambiance Adobe Live. Si vous nous rejoignez par hasard sur la chaîne YouTube Adobe France, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien que je vais vous mettre de l'autre côté, qui est le lien de behance.net/live/fr/Adobe Live. Comme ça vous aurez vraiment l'ensemble de l'URL et vous n'aurez même plus de lien à cliquer en plus. Et vous pourrez donc retrouver Pauline, Emilien, Jamila, Tiffen, qui sont déjà avec nous sur le chat. Pour les autres, pour ceux qui sont déjà sur Behance, ben merci, on va continuer de regarder un petit peu ce que vous faites les uns les autres, regarder les portfolios de ceux qui ont commencé à poster des images. J'ai vu que vous commenciez tous à adhérer un petit peu à l'idée de Behance et à mettre à jour vos portfolios. Du coup, je vais te poser la question, Arnaud, toi, tu as un portfolio sur Behance ? Oui, ça fait un moment, mais c'est vrai que je l'ai un peu abandonné, puis bon, tu sais, c'est toujours un peu comme ça, quand t'as un nouvel outil, t'es chaud dessus, mm-hmm. Après tu le laisses un peu de côté, et puis là, je suis à jour dessus. Oh, mais quel bon élève, félicitations. Non, mais c'est très bien. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots, te définir ? Eh bien, aujourd'hui, je suis auteur-réalisateur avec la patte de motion designer et autodidacte en règle générale sur les choses un peu techniques de la post-production. Très voilà. Bien. Écoute, ça me va bien, ça. Yeah. C'était bien dit. Ouais, non, c'est bien parce que c'est plus précis que juste auteur-réalisateur. Moi, ça me va, ça me plaît cette idée. ça me plaît bien. Du coup, moi, je te connais par le fait que tu étais présent sur certains projets des Parasites il y a longtemps, mais pas que. En fait, tu fais plein d'autres trucs. Oui, je travaille avec les copains Parasites sur des projets d'émissions, Thinkerview, JTR, Atelier 7 et tout ça. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on a eu l'occasion de se rencontrer avec toi, Franck. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait un peu, pour l'Atelier 7, on avait, que gère maintenant Jérémy et Guillaume, on avait essayé de rencontrer un peu les gens d'Adobe justement pour un petit partenariat quoi. Ouais, c'est cool. L'atelier 7, pour ceux qui cherchent un petit peu, c'est une résidence d'artistes, c'est une école, ils sont en ce moment en pleine résidence tous ensemble dans la montagne et ils s'amusent à faire des courts-métrages. Toi t'étais pas dans les premiers trucs des Parasites où ils faisaient les 48 heures photo de toute façon. Enfin les 48 heures. Non, je suis arrivé un peu plus sur le tard, vers les Ferdinand, tout ça. Je suis arrivé un peu plus tard à la rescousse sur 2-3 trucs, notamment sur les FX, les motion, tout ça. D'accord, ouais. Donc, et pour ceux qui cherchent, on est en train de parler des sessions avec Guillaume Desjardins. Il y en a eu quelques-unes sur Behance. Hein, vous pourrez retrouver de toute façon sur les différents liens qu'on vous poste au fur et à mesure. Et bienvenue du coup sur Behance à Quentin, Greg, Adrien, Alex, Delphine et Daniel qui nous ont rejoints au fil de la session. Bonjour. Bonjour à tous. Je me demande si ce serait pas le moment de regarder un petit peu sur ton écran. Puisque c'est un peu là qu'on va retrouver le plus d'infos sur toi.
Hop, je partage. Hop, et on y est. On est tous là. Voilà. Allez, on peut nous montrer. Ça y est, sur voilà. Mon écran. Donc on est sur ton écran, on regarde tout ce qui s'y passe. Et si tu vois des. Si tu veux nous parler de sujet, ben c'est là. C'est chez toi. Et c'est toi qui gère. Donc quand d'accord. On. Bon, ben... Vas-y, par où on passe pour comprendre qui tu es. Bah c'est toujours un peu la complexité, un peu quand, enfin tu touches un peu à, bah on a, en plus on est une génération qui touche un peu à tout en même temps. Mm-hmm. Donc du coup quand tu passes un peu sur le profil, tu vois Edumotion et des films. Donc du coup des fois il y a toujours un peu de mal à se dire tiens quel profil est là vraiment. Donc du coup bah j'assume un peu ce truc là. Mm-hmm. Et du coup voilà donc ça passe par Edumotion vraiment 2D, un peu plus 3D. Bon là c'est des choses que j'ai fait pas justement pour les Parasites. Mmh. Là pour d'autres groupes comme Partager c'est sympa. Enfin voilà donc en fait ça mêle un peu tout donc là je sais pas si vous voulez aller précisément mais en tout cas voilà je mixe un peu différentes choses et puis vu que je m'intéresse beaucoup à la technique et qu'en tant que réalisateur de comprendre la technique la post-prod je trouve que c'est un réel avantage sur les tournages. Mmh. En aval et en amont, donc du coup c'est un vrai plus. Donc voilà, je mixe un peu tout et c'est pareil quand on me demande tiens t'es réalisateur de quoi. Moi j'ai toujours du mal en fait de se dire est-ce qu'on est obligé d'appartenir à une case. Donc je dis bah en fait d'un sujet qui m'intéresse, ça peut être des interviews par rapport à une personne qui m'intéresse, ça peut être un documentaire, ça peut être des émissions bah comme le JTR qui a rien à voir avec une fiction ou Thinkerview qui n'a rien à voir avec une fiction. Et j'aime autant le faire que la fiction, même si c'est vrai que j'ai mon amour va plus vers la fiction et l'écriture du coup de la fiction. Mais après, je peux pas m'empêcher d'aller un peu vers bah, du motion design. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est en fait, je pense que ce qui regroupe un peu tout, c'est l'envie de raconter des choses. Ouais. En motion design, tu racontes des choses, en photo, tu racontes des choses, en vidéo, tu racontes des choses, et pendant une interview, tu racontes des choses. Donc, du coup, c'est plus cette envie-là et de partager tout ça, quoi. Donc, là, je sais pas où tu veux m'emmener après pour la suite, je sais pas quoi montrer. Je sais pas exactement ce qu'on va montrer pour la suite, enfin, pour le début surtout, parce que pour la suite, j'ai Adrien qui me guide dans le chat et qui me disait, je viens juste de regarder Anita, je sèche mes larmes pour attaquer live. Donc on mettra peut-être un petit peu plus tard parce que c'est un super beau projet mais effectivement bien dur, bien voilà. Mais je sais pas, peut-être ton premier grand projet, ce serait quoi? Mon premier grand ton projet. Premier projet sur lequel tu te sens, tu sens que ça correspond à que je peux montrer et que je suis. Bah là il y a un court métrage bah, qui est promo donc que j'avais réalisé pour la chaîne des Parasites. Mm-hmm. Qui s'est fait très rapidement en plus ce qui est bien c'est qu'on essaie de faire les exercices on avec l'équipe et l'équipe fonctionne comme ça des Parasites c'est de travailler d'où le fait qu'ils aient beaucoup commencé avec les 48 heures project. Ouais. C'était le but c'est toujours d'écrire de réaliser de monter donc ce film là il a été fait quand même entre l'écriture et bah comme Anita au final l'écriture et la finalisation il y a dû avoir un mois trois semaines un mois quoi. D'accord. Et voilà donc le dernier projet que je montre qui est en réalisation voilà c'est donc c'est promo donc il y a la fiction au dessus du coup j'ai fait bah la réal le montage et quelques effets spéciaux. Voilà, sinon des trucs un peu plus vieux je travaille souvent avec un ami et un couple d'amis d'ailleurs, James Bort, qui fait beaucoup de photos et qui fait aussi de la vidéo et dont la femme est Dorothée Gilbert donc qui est danseuse étoile à l'Opéra de Paris donc je suis de temps en temps donc ça m'arrive de faire des petits making of pendant qu'il fait des photos. Mm-hmm. Donc il y a Portrait d'étoile ici qui est-ce que tu nous montrerais des images tout ouais simplement, montre-nous hein. Vas-y clique n'hésite pas ouais bon ça date hein, maintenant bon, alors là, du coup il y a quelques images et du coup ça c'était pendant bon de toute façon le son il sert à rien le son ouais je pense qu'il va il va passer ouais. À la trappe alors le son ne sert à rien faudra pas en parler aux gens qui font le son pour toi d'habitude. Ah oui non oui non, le son là actuellement tout de suite mais voilà donc du coup c'était un shooting pour en fait c'était Benjamin Millepied avait pris la direction
de l'Opéra de Paris Mmh. il y a quelques années. Du coup, il a demandé à James Bort de faire le shooting photo pour refaire la refonte du site internet et de faire un petit fascicule. Et James m'a demandé de faire la vidéo, un peu making of, un peu lifestyle, enfin beauty, tout ça. Et voilà. Et du coup, vu que ça avait beaucoup plu à Benjamin Millepied, et ben ça a été en mode, ça a été projeté, diffusé les tableaux et tout ça et la vidéo à l'Opéra Bastille à Paris pendant 1 ou 2 mois, je sais plus D'accord. vraiment. Ah, c'est trop bien. Et voilà. Donc du coup, le milieu de la danse m'intéresse beaucoup. Et du coup, tu vois, pareil, c'est autre chose, c'est du making of, donc ça change. Mais ça, c'est un vieux projet, mais que j'aime particulièrement parce que ça a pu me faire rencontrer pas mal d'artistes de la danse, et puis c'est avec un ami proche et tout ça. Et puis, mine de rien, cette vidéo-là m'a amené pas mal de contrats à droite à gauche, notamment Disneyland, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années. Et voilà, donc voilà en gros pour ce projet. C'était fun et dans une bonne ambiance parce que c'était très entre amis, quoi. Donc c'était chouette. Ouais, ça facilite beaucoup le suivi, la compréhension et l'implication, je pense, d'être entre Ouais, c'est amis. ça, il y a la confiance surtout, la confiance. On va pas te chercher genre, ah, tiens, on te fait totalement confiance, vas-y. Et c'est chouette, quoi, c'est hyper agréable. Donc voilà, donc ça c'est un des plus vieux gros projets qui date hein, maintenant. Je pourrais plus dire vraiment, mais ça doit faire 5-6 ans. Mais que j'aimais beaucoup, voilà. C'est Et après, les dommage. premiers vrais gros projets, vraiment, c'est avec Disneyland où j'ai commencé vraiment à faire avec des grosses équipes. Parce qu'en général, tu sais, avec les Parasites et tout ça, mine de rien, c'est pas des équipes, sauf aujourd'hui maintenant, Sauf maintenant, avec vu qu'ils l'effondrement où il y avait eu. l'effondrement qu'ils ont réalisé et tout ça, c'est des grosses machineries. Mais du coup, moi, j'ai commencé avec de la grosse machinerie, avec Disneyland, qui, mine de rien, met le paquet pour faire des belles vidéos, des belles bandes annonces pour leur spectacle. Cool. Donc, c'est des tournages avec une vingtaine, trentaine de personnes, de techniciens, etc., et de la grosse machinerie derrière, quoi. Donc, Tu ça, nous en montres des images, pareil? Ou c'est ouais, bah ça, c'était le tout premier projet avec eux d'ailleurs, Okay. c'était la bande-annonce de Michael Magicien pour le spectacle de Michael Magicien. Donc voilà, donc ça c'était chouette, c'est le premier. Et en fait, c'est là où je trouve où du coup peut-être que ça prend un peu du sens dans cette interview, c'est que Disneyland est venu me voir parce que justement j'avais le côté motion designer D'accord. avec le côté réalisateur. Parce qu'ils aiment ce côté graphique, et ce qui fait qu'en fait, j'ai la main sur totalement tous les effets spéciaux, le motion design, le montage et la réalisation. C'est moi qui ai fait, D'accord. par exemple, sur ce film, avec l'aide d'un ami, Thomas Sassini, qui est de chez Mikimo Studio, à Bordeaux, qui m'a aidé un peu quand même, parce qu'il y avait quand même beaucoup de taf. Mais voilà, donc ça, c'était le premier projet, première grosse équipe. On a tourné dans le Phantom Manor, dans le parc. Avant qu'il soit ouvert C'est trop bien. Avant qu'il soit ouvert et tout ça, Cool. donc voilà. Et la 3D, c'était à l'époque sur Element 3D, du coup. Donc Et tout est fait dans directement After plugin dans Effects. After, ouais. C'est ça. Genre là, par exemple, effectivement, le coffre qui s'ouvre, etc. Les panneaux un peu sur les coffres, c'est que du After Effects. Voilà, c'était à l'ancienne. Et C'est les c'est premières marrant versions justement d'Element 3D. pouvoir toucher un personnage iconique comme Mickey. Est-ce que ça relève du rêve d'enfance ou pas du tout? Et t'as le droit. Alors pas spécialement, mais par contre c'était très intéressant à savoir qui, je sais pas trop, alors je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais Alors, il n'y a qu'un seul en Mickey, gros il n'existe qu'une seule fois. c'est oui, il existe qu'un seul Mickey, et en fait Mickey doit prendre une pause toutes les demi-heures pendant une demi-heure. Et évidemment, il n'a pas le droit de me parler. Donc, il parle qu'à une personne avec qui je parle. Ah, Donc, en même fait, sur un il faut tournage? faire, même sur un tournage. Mais c'est trop Et fort, c'est trop balèze quand ce qui est hyper intéressant, par exemple, c'est que là, par exemple, bah, on le voit dès le début, c'est que dans la mise en scène, parce qu'en fait, il y a vraiment, je mets juste pause 2 secondes, il y a vraiment en fait des écoles même. qui sont faites, et la meilleure est en Angleterre, à Londres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pour être performeur. Donc, être vraiment comédien
de De caractère, personnages dans ouais. les parcs, ouais, de caractères, etc., etc. Et du coup, ils ont un jeu très spécial qui n'est pas celui naturel. Donc, tu vois, par exemple, quand t'as Mika qui arrive et qui a un peu peur du bus ici, bah tout de suite, lui, il mettait la main devant la bouche. Et puis d'habitude il fait et puis tu vois il fait des trucs très rapides et tout ça et moi à chaque fois je disais attends sois plus humain vas-y moins vite parce qu'il fait des grands gestes comme ça et surtout il faisait dès qu'il avait peur je dis bah non par exemple en mise en scène enfin le côté humain quand t'as peur tu mets la main sur le cœur quand tu mets la main par exemple sur la bouche c'est que t'as fait une bêtise ou que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas dire ou pas faire et du coup c'est hyper intéressant de travailler c'est assez rigolo mais du coup bon il y a effectivement plein de restrictions derrière qui facilitent pas le tournage mais qui créent un défi derrière qui est hyper intéressant notamment pour les assistants réalisateurs et réalisatrices Ouais, c'est est-ce que assez c'est super. Tu vois, je sais que la communication, tout ce qui est print et tout, c'est hyper charté pour Disney pour arriver et mettre sa patte. C'est compliqué. Donc, comment ça s'est passé pour toi pour mettre ta patte là-dedans? Bah du coup en fait eux ils font quasi tout en interne en tout cas pour ce D'accord. qui est du parc et tout ça quand ça passe un peu plus à la télé ils font un travail avec BETC qui est une agence de publicité Ouais. où là du coup toi t'es en binôme avec BETC des créas de là-bas mais quand c'est plus interne et pour le web ils font tout en interne donc une prod s'appelle Broadcast Disney et tout ça et du coup il y a bah comme dans une agence des DA des directeurs artistiques etc Donc donc un ils travaillent parcours avec toi. plus classique. C'est ça. Et du coup, quand il y a des trucs très chartés, bah du coup, c'est eux qui te l'imposent. Là, par exemple, moi, j'ai fait les deux dernières vidéos pour la sortie, pour l'ouverture du parc et tout ça, qui est une vidéo safety qui était un peu rigolote à faire avec l'univers des indestructibles. Et puis une autre ouverture du parc pour les passes annuelles, etc. Et ben, bah, forcément, là, ils me donnent du graphisme. Après, je l'anime un peu comme je veux, je leur fais des propositions, mais effectivement, il y a des trucs comme des icônes et tout ça pour le côté safety, par exemple, avec les masques, etc. Là, ils me le donnent. Mais par contre, j'ai eu quand même, enfin, enfin, c'est une équipe adorable, hein, je les adore vraiment beaucoup, c'est genre une petite famille. À chaque fois, on se dit, ouais, Disney, est-ce que derrière, c'est un peu, Est-ce que c'est qu'une grosse machine? ouais, Ouais, t'as ou est-ce raison. qu'il sert la vis? Mais en tout cas, là, dans le parc et tout ça, Broadcast, c'est des gens que j'apprécie vraiment beaucoup et qui ils me font confiance, je leur fais confiance et ça marche très bien. Donc, par exemple, là, pour Michael Magician, j'étais avec un DA parce que c'était la première fois, mais il m'a laissé totalement carte blanche. Sur le tournage, il me parlait quasi pas, c'est juste de temps en temps, il me dit, tiens, est-ce qu'on peut ajouter des touches? Mais pour un autre film comme bah, celui à côté, par exemple, qui était Disney Village, c'est le deuxième que j'ai fait pour eux. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut être force de proposition. Bah, c'est-à-dire, ils m'ont dit, moi, j'aime bien être très honnête avec les clients et dire si j'ai envie ou pas, et je me permets de refuser des projets si je me sens pas de le faire, tout simplement. Et du coup, là, par exemple, pour ça, ils voulaient présenter Disney Village. Ils m'ont dit, ouais, on veut faire des hyperlapses sur les bâtiments. Je dis, bah, vous n'avez pas besoin de réalisateur pour faire ça. Vous pouvez prendre un chef-op et basta. Il me dit, ah, ben non, on a envie de travailler avec toi. Je dis, bah, je peux vous proposer une idée et tout ça. Donc, le but, c'était de mixer. Plan séquence triché évidemment et du coup hyperlapse donc ça c'était aussi avec une grosse machinerie surtout Disney en plus avec tous les gens tous les clients du parc et tout Qu'il fallait c'est donc assez, assez rigolo anonymiser derrière en flou et tout. ouais c'est ça quoi et du coup ça permet effectivement d'avoir des trucs assez sympas bon il y a un côté un peu instit hein, forcément qui présente un peu le magasin tout ça mais c'était assez drôle. Ouais, Donc, mais c'est sympa de voir ça. Ça me fait penser ouais, c'est tout à l'heure marrant. quand tu reparlais justement des pauses et des contraintes de Mickey. Je crois qu'on en a parlé avec Alexis Briclot sur les séparations entre les différents corps de métier aux États-Unis sur les tournages et tout. Et c'est cette culture-là qu'ils ont importée. Dans le travail sur place avec les agences et avec les réals, quoi. Bah ouais, non, c'est bah ouais, c'est hyper. En tout cas, je sais que bah par exemple, on est deux réalisateurs chez eux avec qui ils tournent beaucoup, avec Gunther Gerhardt Ah bah que oui. les gens d'Adobe connaissent très bien, qui est un ami à moi. Et à chaque fois, on se croise chez Disney parce qu'on fait un ping-pong de différents films et tout ça. Et ils l'ont aussi suivi pour le fait qu'ils soient aussi motion designer parce Ouais, qu'ils bien trouvaient sûr. ça hyper intéressant. Et aujourd'hui, encore plus. Et on en parlera tout à l'heure si tu veux par rapport aux templates et tout ça, mais le fait que en termes de workflow,
ça gère, que ce soit fluide, etc. Surtout, en plus, pour une boîte comme Disney qui a besoin de délivrer différentes versions en termes de langue et du coup de simplifier le plus possible le process quand il y a des panneaux en motion design, etc., etc. Donc du coup, ils sont hyper demandeurs de ça, quoi, de plus en plus. Donc ça, c'est Là, chouette. tes films, ils sont diffusés où, en fait? Mes films Disney, tout ça? Ouais, les films Disney, ils sont, c'est Ils pour quand? sont, bah moi je l'ai mis sur mon site qui est là, Ouais, mais eux, ils s'en servent, voilà, c'est pour leur site, c'est pour... eux le mettent sur YouTube, sur leur YouTube, enfin, sur tous leurs réseaux sociaux. Et je sais que c'est tel quel. Et bah justement Disney Village, ils l'ont mis dans quelques cinémas, notamment l'IMAX qu'il y a chez Disney, quoi. Donc il Ah, passait c'est cool. pendant, je crois qu'aujourd'hui encore il doit passer, je crois, dans le cinéma de Disney, Disneyland, quoi. Disney Village. Donc voilà. Donc voilà, que dire d'autre, je sais pas, mais voilà. Donc ça, c'est bon, c'est très Disney. On va pas parler que de Disney non On plus. va Je pas suis pas parler que sûr de que ça Disney, va mais marcher. ça fait une bonne entrée en C'est matière, tu marrant, vois. ouais. Tu vois, au début, tu savais pas par où on allait commencer. Je pense que là, on a fait un tour du côté des rois de l'animation. Hier, j'avais une session exprès sur l'animation, donc ça me parle beaucoup, beaucoup. Ah yes. On a fait du dessin dans Photoshop. C'était très cool. D'accord. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah voilà. D'accord. Bon, c'est très bien tout ça. Donc ça, c'était donc c'est beaucoup de réalisation. Du coup, sur la partie motion design, est-ce que tu as des trucs en particulier? Est-ce que tu as un projet sur lequel t'as bien kiffé ou t'as bien apprécié ou tu sens que tu as apporté un truc? Ouais, il y a par exemple bah, ici c'est pour la série d'un ami qui a fait pour France, alors pas Slash mais c'est Studio 4 à l'époque, mais du coup maintenant c'est devenu Slash et tout ça. Il s'appelle Preview, qui a très très bien marché. C'est avec voilà comédien des Yes Witten, Bertrand Huskla et tout ça, pour les gens un peu plus web, fiction web. Et du coup il m'a demandé de faire alors déjà en fait tous les effets spéciaux de la série. Et du coup l'univers graphique, parce qu'en fait l'histoire c'est un algorithme intelligence artificielle qui gère la créativité des youtubeurs, même si j'aime pas ce mot youtubeur, mais des vidéastes créateurs, mais en tout cas là dans la fiction c'est des youtubeurs, et du coup qui leur dit tiens, qu'est-ce que tu dois faire demain pour que ça marche, et du coup il y a toute une interface et tout ça à créer. Et voilà, et du coup j'ai fait le générique et bah tous les effets des téléphones, des setups et tout ça, qui était intéressant. Et là le générique, voilà, le but, je lui ai dit bon, si on se fait un générique, on essaie de se le faire en mode assez classe et tout, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le web, etc., et d'avoir un petit côté, bon là je vous le mets, un petit côté plus clean, classe, vraiment motion, qu'on apporte vraiment un côté Ah, c'est motion. cool. Donc voilà, en gros, Ouais, pour pouvoir faire Émilien Parent, Ouais, ma c'est petite chouette, ouais. intro. Hop là. Ouais. Et du coup, voilà, puis on a fait pas mal de setup. Et puis en plus, il y avait l'ordinateur qui parle, donc tu fallais créer un logo, une sorte de logo bah, qu'on voit là au début, et qui était intéressant à faire dans le sens où, là, sur le téléphone, où il fallait vraiment que ça parle. Genre, tu avais le côté un peu voyeur, donc on voit, ça fait une sorte d'œil, tu vois, avec la tablette au milieu, et puis en fait, tu as le rond au milieu qui, en descendant, devient la tablette et qui permet aussi de zoomer, de faire une rotation et de pouvoir mettre des setups à l'intérieur. Donc, il y avait toute une réflexion là-dessus qui était hyper intéressante dans le développement de ce que racontait cette IA et tout. C'était hyper intéressant. Parce qu'on a, en plus, on a l'habitude, surtout aux États-Unis, de voir, c'est dans les Marvel, les trucs où il y a vraiment un truc d'IA personnalisé, etc. Ouais, c'est loin d'être ce niveau-là, évidemment, parce qu'on a moins de temps, moins de budget, puis j'ai pas les capacités techniques de toute façon, mais voilà. Donc du coup ça, c'est un très intéressant, et vu que c'est un de mes meilleurs amis qui a fait la série, j'ai très à cœur du coup de ce générique qui, d'ailleurs pour l'anecdote, c'était très très marrant parce qu'avec France TV, pareil, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais au pire c'est pas très grave. Ça fait rien du tout. France Télé, une fois j'avais travaillé un mois pour des propositions, des allers-retours sur le générique, on dit ouais, en fait le générique il nous va pas, ça fait trop Netflix, trop professionnel.
Et Et non, vraiment, Emilien, il était sur le cul, il me dit, putain, mais je vais les empaler, c'est pas possible. Et je lui dis, bah, du coup, faut faire quoi? Faut faire un truc à la plus belle la vie où on prend des images de chaque personnage et puis je fais une petite animation sur le nom du personnage. Transition, Non, mais du coup, on s'est battu et après, il le trouvait trop long alors qu'il fait, tu vois, il est pas hyper long, non, il il fait fait 7 secondes, secondes, ouais. tu vois. Et du coup, on s'est battu pour l'avoir dans son entièreté pour le premier épisode et après Et pour après, tous les trouver autres un épisodes, résumé. il fait 5-6 secondes, quoi. D'accord. Et alors, bah, Ah ça, non, mais je, des fois, bah, c'est ça tombe bien bizarre. parce que j'ai une question d'Adrien qui vient juste de regarder Anita qui me dit est-ce un challenge pour préparer du motion design adapté à des formats aussi différents, cinéma, télé, Facebook, YouTube, etc. Est-ce que c'est un challenge? Je pense pas que ce soit un challenge par rapport au format, ou en tout cas à la plateforme que tu diffuses. Si c'est ça la question, c'est plus par rapport à ce que tu veux raconter, ou du coup au format que tu veux raconter. Effectivement, tu racontes autre chose si c'est quelque chose d'un setup, dans un téléphone, dans une fiction, que si c'est sur un motion design pur fictif 2D, 3D. Mais ce qui est intéressant, c'est comment t'accompagnes en tout cas l'histoire. C'est ça le défi, en fait, c'est d'accompagner l'histoire ou l'information que tu veux faire passer. En ce moment, c'est très intéressant parce que là, je me mets vraiment très sérieusement à la 3D avec CKD, Arnold et tout ça sur le documentaire d'amis qui font un documentaire sur Haïti. Et du coup, là, je fais tout dans. Enfin, non, il y a quand même d'After Effects, mais je fais avec CKD. Et du coup, c'est sur l'histoire d'Haïti, le fait que les indigènes ont été tués, éliminés, et après ils ont importé par bateau des Noirs d'Afrique noire qui sont maintenant à Haïti. Et du coup, il y a vraiment un. Quand quelqu'un qui fait pas du motion design, d'ailleurs, il y a Mathieu Colombel qui fait Black Mill, qui en parle très bien, qui fait beaucoup de conférences sur ce qu'est être motion designer. C'est pas juste être technicien, c'est proposer quelque chose qui va dans le sens du récit et dans le sens du client, sans se trahir non plus soi, évidemment. Et du coup, il y a tout un truc comme ça à développer. C'est-à-dire que effectivement, quand tu vois, j'ai mes potes quand ils parlaient d'être décimés, d'une population décimée, etc. Ils voulaient qu'on se concentre sur d'autres choses qui racontaient pas symboliquement ce qu'on voyait à l'image. On le comprenait seulement parce qu'on l'entendait. Je dis, mais le but, c'est que dès que tu coupes le son, que tu comprennes. Tu vois. Donc du coup, bah, t'as des têtes de mort avec des pics, des lances, des machins. On comprend que c'est. Enfin voilà. Donc il y a toute une réflexion comme ça à faire, et c'est vraiment le travail du motion designer. C'est pas juste à la technique. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en motion design. Par contre, il y a beaucoup de, par exemple, de stop motion ou d'animation faite, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, où beaucoup de gens disent, ah, c'est pas du motion design, mais en fait, si, parce qu'en fait, c'est l'art d'animer avec des choses fixes et d'animer ça, quoi. Et c'est là tout le travail et ce qui est hyper intéressant. Et là, le rapport avec le fait d'être un peu auteur, d'être auteur et de pouvoir, comme quand t'écris et que tu veux faire un film, bah là, c'est un peu pareil pour le motion design. C'est vraiment que tu dois accompagner le récit. Donc, c'est plus ça. La différence technique, par contre, et on le voit, et on l'a de plus en plus, que ce soit avec Disney ou même chacun avec ses réseaux, c'est en fait le problème de format, mais de résolution. Par exemple, quand tu as Disney qui me demande de faire un film et que je dis, je veux le faire en scope parce que ça va rendre vachement bien un peu film et tout ça, et que derrière on dit, ah oui, en fait, on t'a pas dit, mais il faut le rendre en carré Parce et en que ça va finir vertical. sur les réseaux. Ouais, ah oui, bah Ouais, oui. ça rend dingue, ouais. Alors déjà en fiction, enfin déjà en film, c'est très compliqué. Et vu que tu prends à cœur les choses sur tes projets, eh ben tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que, on peut pas avoir un autre budget pour faire un autre film pour réfléchir à la verticale. Ça C'est serait ça. hyper intéressant. Je pense que Ouais. ça changerait tellement les choses de se dire, ce film-là sera vertical, on a le budget pour la verticale, on réfléchit vertical. Et je pense que ça Ouais. donnerait des trucs tellement originaux. Des choses originales, des trucs originaux, hein. Et voilà. Et du coup, c'est plus par rapport au passé de réseaux sociaux différents, de formats et de résolutions différentes, qui est un peu plus complexe. Et en motion design, même si c'est un peu plus simple dans le sens où tu peux plus caler après coup les choses, il y a quand même quand tu fais de la typo, etc., etc., pour que ça rentre, bah forcément, ça change quand même ton environnement graphique. Donc ouais, le défi il est plus là, enfin le défi technique est plus au niveau effectivement du cadre et du coup le défi plus en termes de récit. Voilà, si ça peut répondre à la question. Ouais. Je pense que ça répond pas mal. Ouais. Il y a Joël qui nous dit d'ailleurs, il n'y a pas de workflow prédéfini en motion et c'est souvent de l'artisanat.
Très clairement. Et Ouais. tu citais Mathieu Colombel tout à l'heure de Black Mill. Je vous ai mis Ouais. le lien de son Twitter parce que depuis, alors je sais pas depuis combien de temps, ça fait 1 mois, 2 mois qu'il s'y est mis, il met une phrase par jour sur le motion design et je trouve ça hyper pertinent. Ah, En c'est plus, cool. il anime ça avec des petits gifs animés de plein de super projets motion. Allez jeter un œil là-dessus. Je pense que ça remet les choses en place, qui donne pas Ouais, mal de courage. il fait partie des acteurs en France Ouais. qui placent le motion design vraiment au top, là où on est très en retard en France. Et il en parle très bien, d'ailleurs. Il montre pas que des choses, il en parle aussi, c'est parce que c'est aussi une philosophie. Et c'est super, et voilà. Donc, j'invite tout le monde à suivre Black Mill, qui est sa société, et Mathieu Colombel, qui fait les choses très bien. Mais à la même, d'ailleurs, ils sont très potes avec Mathias Parisigny, Matt Matrix. Ranks. C'est Je le fais petit monde du un motion coucou, design le petit par monde, un coucou au ouais. passage à Mathias, qui, pareil, bon, maintenant il fait moins de tutos, mais qui il y a un état d'esprit, on sent la patte, on sent il propose des choses, etc., etc., et qui Ouais. sont vraiment des acteurs importants, en tout cas dans le monde du motion design en France, quoi. Carrément. Donc voilà. Ouais. Bah, regardez un peu, bon, c'est pas actuel, mais un des premiers, les plus connus motion designers qui a vraiment rendu le truc populaire, c'était Saul Bass, qui a fait les intros de Hitchcock. Et en Tout fait, à fait. là, c'est là que ça Ouais. a mis le vrai rôle du motion design, de ça te met dans une ambiance, c'est la transition, c'est. C'est Donc pour ça, et ceux qui puis s'intéressent à c'est pas juste l'histoire. bouger des textes ou bouger des images, quoi. Il y Ouais, a c'est ça. Et vraiment puis c'est une encore ambiance. une inspiration pour plein de graphistes maintenant, quoi, si vous Ouais. regardez ses designs. Donc pour ceux qui veulent une intro, qui s'intéressent à ça, allez regarder son travail. Saul Bass. Mais de toute façon, ouais, ça fait exactement partie des références que je citais là de Mathieu sur Twitter. Je pense que Ouais. vous allez en Ouais. prendre plein les yeux pour les gens qui se disent, tiens, peut-être que c'est pour moi, peut-être pas, je sais pas. Allez voir là-bas. Arnaud, est-ce que tu nous montrerais pas justement Anita et nous expliquer un petit peu pendant que les images tournent? Alors, je sais pas si vous avez pas fait de teaser de toute façon de Anita, c'est vraiment le film directement. Non, on a fait un truc de 5-10 secondes pour donner la date de sortie, mais on n'a pas fait spécialement de teaser. Ok, je vous le mets en fond. Donc ça commence direct, on n'a pas mis exprès pour être tout de suite dans le truc. Donc en gros, c'est avec mes amis du Billet Vert, qui sont des Belges avec qui je travaille beaucoup sur le JTR, donc il y a notre émission. Donc voilà, en toute façon, en général, je travaille quand même beaucoup dans le milieu associatif, écolo, militant, etc. Donc je fais pas mal de projets dans ce sens, d'où Anita d'ailleurs, qui est quand même quelque chose d'assez militant et dont le sujet est assez voilà, et provocateur aussi. Donc voilà, donc le but c'était de faire ce film-là, donc avec Félicien Bogart et Iliès, alias Toby Delis, sur Instagram, qui est un illustrateur, un très bon illustrateur, mais qui écrit aussi, qui fait de la vidéo. Et voilà, et du coup le but c'était de voilà, c'est Félicien qui est venu, il s'est dit imagine, enfin, je vais pas vous dire quoi parce que du coup ça va spoiler, mais imagine que, et moi je lui ai dit bah vas-y. Vas-y, En c'est fait, parti, on le on le fait. fait. En fait, c'est hyper intéressant comme sujet, comme expression, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de chaînes qui sont très très bien. Je critique pas et je les aide et j'y participe, comme Partager c'est sympa, les On est prêts qui font l'affaire du siècle sur lesquelles j'ai participé, etc. Donc plein de vidéos là sur la vidéo pour la Convention citoyenne pour le climat, etc., etc. C'est très très bien, mais souvent c'est des gens qui parlent, qui font des trucs devant la caméra, et je trouve que il y a un côté documentaire, et je trouve que là où on pourrait toucher aussi des gens sur un sujet de l'écologie, etc., passe par l'émotion, et l'émotion tu l'as quand même pas mal dans la fiction, et surtout il y a un jeu un peu de manipulation, hein, dans la fiction, faut pas se mentir, qui est de amener le spectateur à une idée qui pense lui avoir de lui-même, même si il échafaude un peu son chemin et chacun fera son expérience par rapport à un film. Mais en tout cas, tu l'as amené à imaginer, penser, débattre là-dessus. Et alors que voilà, et tu l'as amené toi. Mais en tout cas, lui aura le process d'avoir réfléchi de lui-même et de penser la chose. C'est ça que je trouve intéressant dans la fiction aujourd'hui, et de s'approprier un peu. Ce que fait aussi les parasites, hein, de s'approprier le récit, et de pouvoir
le montrer un peu au monde et de changer un peu de ce truc très informatif qui nous rentre. Parce qu'au final, on a tellement d'informations aujourd'hui, dans plein de vidéos, on retrouve tout le temps les mêmes informations. Donc voilà. Donc Anita, c'était ça, c'était un peu le but d'un peu choquer. Et de provoquer le débat aussi. C'est-à-dire que c'est un court-métrage qui a pas mal marché, bah, notamment en Belgique où on faisait des conférences débat, diffusion débat. Ça allait dans des écoles. Il y a des écoles qui, alors pas des maternelles, hein, je te rassure, mais en tout cas, C'est mieux. ouais. Mais en tout cas, des lycées où vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on est dans des débats plus ouverts, publics, un peu tout le monde, où tu as des générations différentes. Donc des plus vieux de 50, 60 ans et des plus jeunes. Il y avait, même nous, on n'avait pas besoin de parler parce que les plus vieux nous clashaient, les jeunes nous aidaient, tu vois. Et du coup, il y a vraiment une génération de pensée qui est totalement différente de façon de penser. En plus, bah, les vieux, ils se sentent un peu abusés, genre on les montre du doigt, c'est leur génération qui a foutu la merde, ce qui n'est pas totalement faux, de mon point de vue. Mais voilà, mais du coup, c'était hyper intéressant et ce film-là, il est aussi là pour ça, pour faire du débat, pour créer de la com autour de ça et pouvoir en parler librement. En fait, le but c'est pas de se clasher. Donc du coup, il plaît comme il déplaît totalement. Il y a des gens qui nous ont craché dessus, qui nous ont envoyé des messages un peu chauds, mais bon, c'est le jeu Ça d'Internet fait aussi, hein, partie, je donc. pense, aussi de pouvoir Ouais. justement, si ça tranche, si c'est clivant, Oui, c'est ça. c'est qu'il y a un vrai sujet de discussion pour le coup qui C'est est pas ça. Et qui du coup, est... Pardon. pour juste parce que j'ai oublié de dire un peu le pitch du film, c'est en gros, on suit une jeune activiste qui est le symbole. Donc, on pourrait se reporter à Greta Thunberg, mais non, on ne voulait pas forcément. Greta Thunberg était la première image que tu as, en fait, quand tu vois le film, même si en fait il y en a plein d'autres en Belgique, en Afrique maintenant il y en a aussi et tout ça, comme Hanouna en Belgique et tout ça. Donc on a même Adélaïde, il y a même un petit plan d'insert où elle est dedans, donc elle a participé un peu au film. Donc c'était pas le but de dire que c'est Greta Thunberg, là. Sinon on aurait appelé le film Greta, on l'aurait pas appelé Anita. C'est ça. Mais voilà, donc on suit une jeune fille qui voit ce qui se passe autour d'elle, qui fait tout ce qu'elle peut et qui est totalement dépassée par ce qui se passe autour d'elle, qui voit que ça change pas, etc., etc. Donc qui se pose des questions et dont un personnage un peu énigmatique qui est dans son entourage va essayer de faire bouger, lui faire comprendre des choses, etc., etc. Voilà. Mais je propose que tu C'est spoiles pour pas la petite plus le histoire. film. C'est Ouais, quoi? vas-y, C'est quoi? spoil. J'avais fini, j'avais tout, Non, mais c'est j'avais totalement même en termes d'image, parce que je l'ai vu. Qui était là? Adrien tout à l'heure venait juste de sortir du film et il a été tout retourné. Donc voilà. Bah, tant mieux, c'est le but. C'est Désolé, ça. mais en même temps, c'est bien d'être retourné. Il y a des gens qui vont voir des films d'horreur, c'est pour être retourné. C'est aussi ce qu'on cherche parfois. Mais Ouais, voilà. c'est Mais du coup, ouais, c'est très intéressant, ce film. C'était Ouais. cool à faire à trois. C'est intéressant, l'écriture à trois et tout. Et la réalisation à trois, c'est, moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler en équipe. Donc, je vais pas être en mode, non, mais ce film-là, je veux le faire tout seul. Je veux que ce soit moi la réal. J'adore écrire. D'ailleurs, j'aime pas écrire tout seul. J'aime bien écrire au moins un deux. Et en réalisation, je trouve ça assez intéressant à partir du moment où tout est clair, tout a été dit en amont, etc., etc. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de travailler en équipe. Enfin, moi, j'aime bien le côté collégial. Et Adrien me dit justement, mais il a trouvé Alita très léger en termes de motion design justement. Comment est-ce que toi, en ayant tes deux casquettes, motion designer et réalisateur, t'arrives à pas avoir la main lourde et tu sais quand t'arrêter sur cette partie-là? Bah, par exemple, pour Anita, c'est pas spécialement le sujet de mettre du motion design. Je voulais que ce soit assez brut, qu'on soit vraiment avec elle. Donc, le fait de rajouter du motion ou des effets un peu spéciaux, etc., etc., j'aurais pas. Alors, il y a du motion et des effets, hein, quand même, hein. Genre, bah, il y a des setups d'ordinateur, il y a il y a son téléphone dès le début, il y a des effets spéciaux aussi, parce que quand elle est face à la foule, à un moment donné, il y a une scène dans la foule, et en fait, t'as l'impression qu'il y a 100 personnes, mais en final, on avait 15 figurants et je les ai dupliqués, etc., etc. Et parce qu'on n'avait pas de, on n'avait pas trop bah, c'était de l'autoprod, hein, donc on a fait avec les moyens du bord. Donc du coup, il y a quand même des choses. Et puis pareil, par rapport à ce qui se passe à la fin, il y a des effets du motion design. Mais je pense qu'effectivement,
si le récit, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, si le récit, en tout cas fictionnel, là pour le coup, parce que c'est de la fiction, c'est pas, la base n'est pas motion design, nécessite pas d'y mettre quelque chose en motion design et que le récit suffit lui-même, ça sert à rien d'ajouter des artifices pour ajouter des artifices, quoi. Il faut que En ça tout cas, j'en ai servisse, pas quoi. senti le besoin, voilà. Et j'ai pas vu des choses qui auraient servi forcément l'histoire, en tout cas là-dedans dans ce film. Mais pour les films Disney, par contre, je réfléchis beaucoup à motion design, par exemple, parce qu'il y a un côté plus magie, féerie, donc du coup, tu ajoutes des choses. Donc voilà. Ouais, bah moi je vous invite à aller regarder. On a reçu Raphaël Buzet, on en parle souvent, et lui c'est pareil, il est réal et il est motion designer. Et là, sur son dernier court-métrage, Exhibiteur, il a vraiment mélangé les prises de vue réelles et la pure animation. Et en fait, ça fait complètement sens dans le récit. Donc en fait, c'est ça, c'est pas juste accessoire le motion, ça doit servir un propos, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un autre court-métrage. Enfin, j'en ai un là que je vais tourner en septembre. Il y en a un autre que je suis en train d'écrire, qui est en gros un dîner de famille où après t'as une gosse avec ses deux parents qui font un spectacle de marionnettes pendant leur repas et qui parle d'une île Nauru qui a vécu le premier effondrement civilisation économique etc etc et du coup pendant les bah déjà il y a du motion parce que tu joues avec du graphisme et tout ça sur le petit théâtre de marionnettes et en plus je vais ajouter des petites touches dessus parce que ça marche pour l'onirisme etc etc voilà donc effectivement, à chacun son récit, et le récit apporte ou pas, enfin, demande ou pas du motion, voilà. Et après, c'est chacun à voir par rapport à son récit et à ce qu'il a en tête. Carrément, carrément. Quand on a préparé justement la session, on était justement sur tes deux casquettes, motion et réel, et on a parlé aussi de la manière justement dont tu pouvais, toi, utiliser les outils pour gagner du temps en termes de réel, pour gagner du temps en termes de, non pas de montage peut-être, mais tout ce qui était carton, synthé, intégration dans les différentes applis. Comment ça se matérialise, sur quel projet on verrait ça Pour le dernier film, alors c'est pas là où j'ai le plus. Alors du coup, j'avais ouvert, j'ai redémarré l'ordi. Je vais Tu l'ouvrir et en même temps, je vais parler. Hop, after. Mais effectivement, ça se fait par exemple beaucoup pour des vidéos style pour Disney quand t'as beaucoup de choses à modifier en termes de langue, etc. Et c'est vrai que ils sont beaucoup demandeurs de ça. Et là, en ce moment, d'ailleurs, normalement, je vais donner un petit cours en interne. À la post-prod pour leur montrer tout cette histoire de workflow parce qu'ils sont pas enfin les grosses boîtes des fois ils sont pas du tout à jour ne serait-ce que dans les mises à jour des softs et tout ça mais en plus dans la technique et du coup c'est vrai que là After Effects par rapport au template donne vraiment une possibilité de pas se prendre la tête pour changer les langues pour changer un style graphique, etc., etc., sur un même projet. Donc c'est là où c'est intéressant et pour Disney, eux, bah pour ce film-là qui est Les Distanciations, c'est pas la bonne typo et tout, hein, parce que j'ai pas ouvert sur le même ordinateur. On a vu le petit message, tout va bien. Et voilà, mais du coup, effectivement, bon, bah, c'est pour ceux qui connaissent un peu After, mais du coup, tu as ce nouvel outil qui est Objet Graphique Essentiel, qui permet effectivement de prendre des options de plein d'objets, plein de propriétés de plein d'objets, de les entrer dans un panneau pour lui dire, eh ben, en gros, effectivement, ta position, tu vois, si je prends le picto, je viens chercher la position, tu lui dis, bah, tu viens mettre la position là, et ça rajoute. Ça va rajouter une ligne de description. Il ouais, faut que tu Hop glisses. là. Oui, vu qu'il y a une clé là, on s'en Ah, fout. Voilà. Et du coup, ici, on l'appelle comme on veut, hein, et ça permet effectivement, quand tu l'importes dans Première, de pouvoir effectivement modifier la position, ok. Modifier tant que la ça ligne touche de à texte. l'animation, modifier la ligne de texte, garder l'animation de ton texte, et tout ça sans que ce soit galère, parce qu'effectivement, par exemple, là chez Disney, ils travaillent beaucoup avec les DA pour les panneaux, et il n'y a pas les DA et les motion designers sont pas forcément en lien. Ouais, ils Donc sont ils pas filent sur le même les plateau, ils sont PSD. pas. Ouais, il file les PSD, et puis après, c'est un peu démerde-toi. Et du coup, je vois plein de motion designers, ou les gens en interne
disent, il n'y a pas les typos, c'est galère, c'est sur Photoshop, il y a des calques de partout et tout ça. Donc le but, c'est de faire le lien un peu avec ça, parce que c'est hyper important, parce que mine de rien, là, par exemple, pour le film de l'ouverture pour le parc, c'était hyper speed, c'est-à-dire que le film, il fait 4h30, on l'a tourné une semaine avant, et le film, il fallait qu'il soit fini, motion design, tout compris, monté, sound design, etc., une semaine après, quoi. Donc du coup, effectivement, ils sont en demande de ça et de plus en plus, les boîtes vont, je pense, être en demande parce que je pense que les gens qui sont plus à jour et à même de travailler ça, c'est plus les freelances, tout ça, qui sont un peu de leur côté et qui sont un peu geeks et qui vont aller un peu gratter les nouveautés là où les grosses boîtes vont pas forcément le faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon, je vais pas vous montrer en détail l'outil, je pense que c'est pas spécialement très utile, mais par exemple, j'avais fait des tests qui est hyper cool. Qui est, par exemple, si tu fais un film et que tu veux effectivement avec une bande-annonce avec les fameux textes bam 3D etc. qui arrivent et tout ça, et moi j'ai déjà fait le test et ça marche très très bien. C'est d'utiliser Element 3D qui est très bien Pour pour ce faire genre de projet, ouais. pour faire ce genre d'arrivée de texte pour les bandes-annonces et tout ça. Et tu dis dans After Effects le qui est donc Element 3D est lié au texte dans la composition, et tu dis, le texte devient une modifiante dans Première, et tu as juste à modifier dans Première, et ça te remplace tout, la 3D est là, ça revient en 3D, et ça marche très très bien. Et après, il y a des petites techniques intéressantes, parce qu'effectivement, tu te dis, tiens, si tu déplaces un objet à un point A, un point B, là, il te le dit d'ailleurs, quand tu as des clés, des images clés, tu le glisses, il dit, ah, s'il y a des images clés, c'est un peu la merde, etc., etc. Mais du coup, tu peux jouer avec des objets nuls, parenter ça à des objets nuls, et ces objets nuls, les mettre en option, dans ta modification en template. Tu vois, je prends un exemple tout simple. Je me dis que ça doit être un peu du chinois pour pas mal de Bah, monde. du coup, Je vais faire une petite question. Attends, pardon, ouais, je sais pas non, mais trop. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais plutôt au public, After Effects et Motion Graphic Template, est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas trop? Puis derrière, de toute façon, on vous remettra des liens. Alex a déjà commencé à mettre le lien vers les objets graphiques essentiels, mais comme ça pourra peut-être un petit peu guider. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat hein, si ça Ouais, c'était réagissait. exactement ce que j'allais demander. C'était quelles ressources vous conseillez tous les deux en fait pour commencer, pour s'attaquer à ça là, pour se mettre à jour sur ce gros morceau. Bah, en vrai, c'est même pas un gros morceau. C'est vrai. Non, mais juste par où on commence, si on a envie de regarder et de comprendre. C'est d'une simplicité. C'est en gros, alors, au début, tu vas faire juste modifier position. Tu peux modifier la couleur, que ce soit du texte, du fond, d'un solide, etc. Mais c'est hyper. Enfin, tu glisses le truc. Ta propriété, machin, t'exportes ton template, tu l'importes dans Premiere et tu retrouves le même panneau After Premiere et tu vois, et D'accord. t'as un formulaire où tu changes les choses. Donc en fait, c'est même pas un gros pavé, tu l'apprends très facilement et très rapidement. Et après, tu peux vraiment t'amuser à aller plus loin, effectivement, parce qu'on disait, effectivement, quand t'as une animation sur un truc et que tu veux modifier la position générale, bah là, tu peux pas parce que dans le template, il va prendre en compte que tu as les clés d'animation. Mais du coup, tu peux allier effectivement, puisque dans After Effects, tu peux lier une animation à un objet et cet objet, tu peux lui dire, je veux le bouger. Et du coup, tu bouges l'entièreté de la chose. Comme quand si tu fais, par exemple, pour le documentaire ou pour les émissions, ce qui est hyper intéressant, c'est les synthés. Donc les synthés, vous savez, c'est les bandes qu'il y a en bas qui présentent la personne, son nom, prénom, son sexe, peu importe, son âge, son taf, etc. Et du coup, des fois, la bande, si tu la fais par rapport à la taille de ton texte, et tu peux, selon le texte que tu mets dedans, si ça déborde, tu peux dire, sans bouger l'animation de ta barre qui est juste derrière, tu peux lui dire, je veux qu'elle soit un peu plus grande. Donc, tu peux vraiment adapter juste avec deux, trois trucs sans passer par After Effects. Et effectivement, c'est là où les boîtes, et en plus, quand les gens, parce que moi, j'ai commencé dans la pub, et je sais qu'il y avait pas mal de monteurs et de motion designers qui reprennent derrière toi. Et en fait, surtout After Effects, le montage, ça va. Mais After Effects, reprendre un motion designer, c'est une galère, quoi. Quand on te dit t'as une journée pour faire la modif, tu dis laisse-moi 2 jours, parce qu'en fait, si tu mets autant de temps à comprendre À comprendre, à la démonter le projet de philosophie, la l'autre. technique, ouais, c'est ça. Donc le fait de simplifier, mais même pour soi, en vrai, moi si on me demande des modifs dans 4 semaines, je passe même pas par After, je fais mes trucs dans Premiere, terminé, quoi. Donc c'est là où
l'enchaînement, puis en plus, bon, c'est très bien que ça marche, ce qui marche très bien avec Adobe, c'est le fait que tout soit connecté, que ce soit Photoshop, Premiere, After, tout ça. Le fait qu'effectivement, tu as un DA qui fasse son Photoshop avec du texte, et toi, tu peux l'apporter dans After, tu peux lui dire, bah, ce texte-là, je veux qu'il soit changeable directement dans After Effects. C'est quelque chose d'hyper simple et qui permet effectivement de faciliter tout le process derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, que ce soit pour soi ou pour les prods à côté, pour tes clients, les clients, ils apprécient de fou. Hein. Moi, je vois Disney. Genre là, il devait faire 10 langues en une journée ou deux jours, tu vois. Et du coup, ça se fait pour de vrai. Ils me disent, oh là là, mais Arnaud, comment on va faire? Je t'ai fait des templates et ils ont mis même pas une journée. Mm-hmm. Tu vois, ils te mettent... Enfin, je sais pas s'ils l'ont fait là, mais en tout cas, je leur ai dit, tu mets même pas une journée. Moi, je suis passé de la FR à la UK, j'ai mis à peu près une minute. Et c'est tout bête, même pour je finis là-dessus vite fait, mais même pour quand t'es dans un téléphone, par exemple, dans le film, t'as le téléphone où t'as les informations du site, t'as l'animation, tout ça. Ben moi, j'en fais un template de ce plan-là. Et du coup, ils peuvent changer le ce qu'il y a dans le site, le mettre en anglais, en français. Et du coup, si t'as un bandeau anglais, bah, tu peux mettre opacité zéro. Et dans Premiere, tu peux lui dire, hop, je le mets au-dessus en opacité à fond. Et voilà. Donc, tu peux changer vraiment beaucoup de choses qui permettent de faciliter effectivement beaucoup le workflow. Voilà. Je parle beaucoup. Non, mais bah, tu fais bien de toute façon. C'est un peu pour ça qu'on t'a invité. C'est d'ailleurs, je parle moins. Ouais, bois. Il faut boire, c'est important. C'est important pour la santé. Pendant ce temps-là, du coup, dans le chat, ça a pas mal répondu. Donc Joël nous dit, c'est pas du tout du chinois, c'est exactement ce que je fais là maintenant. Adrien n'utilise pas encore assez les mots GERT, mais il connaît complètement le principe. Greg trouve que il les utilise assez peu, mais c'est très intéressant d'en entendre parler, notamment de ses aspects techniques et des tips. Donc de ce que toi tu viens de nous passer. Et après, c'est top d'apprendre la magie. Les expressions after, on adore et on déteste en même temps, c'est magique, nous dit Adrien. Qu'est-ce que tu en penses des expressions ? Tu joues avec ou pas ? Ou tu laisses construire ? Pas tant que ça, ouais. Je laisse construire. J'avoue, les scripts, ça, c'est pas ce que j'utilise le plus. En tout cas, je trouve suffisamment de plugs et tout ça. Mais c'est ça qui est sympa avec le motion design et After Effects. De toute façon, on sait très bien qu'After Effects, seul, sans plug, sans script, mine de rien, pour aller plus loin professionnellement, c'est compliqué. Ouais. Mais après, c'est aussi selon ce qu'on en fait des outils. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tu te dis, ouais, bon, les templates, tu peux changer le texte, tu peux machin, mais quand tu vas un peu plus loin, quand tu réfléchis un peu plus loin, c'est de l'expérimentation. Hein, c'est ce que fait aussi tout bon motion designer. On le voit avec des vidéocopilotes qui créent des trucs de fou sans plugging, parce qu'en fait, il va utiliser des choses qui sont pas du tout prévues pour ça à la base, mais en bricolant un peu les choses, tu créer un setup de fou, quoi. Donc que ce soit en script ou en plugin, c'est assez fou. Est-ce que y a la même chose dans After Effects? Je sais que dans Photoshop, on dit souvent tu peux faire le même truc, mais de 10 manières différentes. Mais After Effects, c'est totalement ça. Ouais, c'est ça. C'est pire, ouais. C'est pire. C'est 150 manières différentes. Ouais, mais c'est fou. Et moi, je me rappelle très bien, au début, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué. Au tout début en motion design, donc comment tu commences, bah tu fais des tutos. Le truc c'est que tu fais beaucoup de mimétisme, donc en fait tu sais que reproduire ce que t'as vu. Ouais. Après pour apprendre, alors on m'a pas demandé de conseils, mais j'en donne un pour ceux qui débutent et tout ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de trouver des projets et de les déconstruire, de les casser, de les démolir. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre les choses. C'est comme un mécano. Bah pour apprendre à monter une voiture, il faut qu'il apprenne à la démonter, et en la démontant, il sait où va quoi. Et ben bah, After Effects, c'est exactement ça. Donc au début, je faisais des tutos, et après, je trouvais des projets que je dégommais, et après, c'est un des seuls moments dans ma vie, j'ai eu genre un flash où genre tout s'est ouvert, genre j'ai vu une porte, bam, tout s'est ouvert, je voyais toutes les techniques, et je me dis, d'accord, donc l'effet que je viens de faire là, je sais exactement où aller piocher à droite à gauche pour faire de façons différentes. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, même si tu vas arriver au même résultat, il faut penser à comment tu vas le faire par rapport au workflow après, comment tu vas en termes de capacité de la machine, etc. Ouais, carrément. Si, alors, voilà. si tout le monde d'After Effects, des expressions, etc., vous intéresse beaucoup, je vous recommande d'aller jeter un œil du côté du groupe Motion Café sur Facebook. Ouais. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Discord. On en a reçu quelques-uns, beaucoup autour du mois de juin. Ils ont
énormément, énormément de techniques différentes, en fait, parce que ce qu'on voit aussi, là, on est en train de parler d'une application particulière du motion vers la réalisation. Ce qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont des gens qui sont très typos, des gens qui sont très flat, très 3D, très Ouais. dessin animé, image par image, etc. Et beaucoup, enfin, tout ça, ça se complète. Et dans les expressions, je sais que j'arrive pas à retrouver, en fait, le lien d'un des contributeurs qui avait commencé à faire un B.A.-BA des expressions, un 101 pour pouvoir démarrer. Donc n'hésitez pas à chercher Ouais, là-bas. c'est une super communauté, hein, Motion Café, hein. Tu trouves beaucoup de choses, ça aide vraiment bien. C'est vraiment une chouette communauté, ouais. Faut pas hésiter à y aller dessus. Carrément. Carrément, carrément. Écoute, c'est bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore à voir autour de tes projets? Parce que là, on a vu pas mal de petites choses. Si on devait choisir un dernier projet sur lequel tu as envie de parler, de présenter, que ce soit maintenant ou du futur d'ailleurs. Bah là c'est plus la 3D 3D pas forcément bon ça dure 2 secondes hein, mais ça c'était pour manger sans pétrole donc un documentaire qui n'est pas encore fini mais voilà mais sinon pour partager c'est sympa il y avait ça qui est que dans Element 3D là, pour le coup donc voilà qui est un peu un générique pour les vidéos de Vincent Verdun partager c'est sympa donc voilà. Mais sinon non bah ce qui est là en ce moment c'est vrai que j'ai fait un peu une petite pause en motion enfin mais là je reprends petit à petit mais c'est vrai que là en ce moment je suis beaucoup en écriture j'ai mon court-métrage là qui se tourne en septembre avec Pablo Poli donc un super comédien et je suis très content de pouvoir faire ce projet et j'écris une série en ce moment donc en ce moment ouais, c'est beaucoup écriture pour bah pouvoir effectivement réaliser et y amener, apporter un univers aussi graphique, parce que la série, c'est sur une histoire d'astrophysique, d'ondes gravitationnelles et d'espace. Donc forcément, là, il y aura son lot de motion design. Donc voilà quoi. Bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Si vous avez encore des questions dans le chat, c'est le moment parce que ça va bientôt se terminer, comme vous l'avez entendu. Ça t'a dit une heure. Et Mathieu Colombel est avec nous depuis tout à l'heure, mais il s'était perdu sur la partie Oh! YouTube. Et oui. Et Salut oui. Mathieu! Et ça me permet de voir qu'il a Ah, même pas de c'est trop profil cool qu'il bien, ça. suive. Bah oui. En fait, j'ai Il a pas de réinvité tout le monde. profil, ouais. Il est au-dessus de ça, il est au-dessus de ça, Il est Mathieu. bien au-dessus de ça, tu vois. Il a que des appréciations. Il a pas de production. Bravo, Mathieu. Alors, on a une petite dernière question de C'est trop Adrien gentil de suivre. qui nous Vas-y, demande c'est quoi le projet ou l'effet le plus complexe en motion que tu aies fait? vas-y. Bah là, c'est en ce moment-là, parce que du coup, c'est aussi tout un réapprentissage. Qui est bah, sur le documentaire que je suis en train de faire, donc qui est surtout sur ces 4D avec Fumée Fixe, avec Arnold, avec tout ça, qui est de raconter une histoire qui s'est passée avec du symbole, de l'onirisme, etc. Que ce soit pas parce que vu qu'on parle d'esclavagisme, c'est faut que ce soit un peu plus léger que genre on voit des grosses scènes de gens qui se tapent dessus. Donc c'est plus ça en ce moment en tout cas. Sinon j'ai pas de trucs spécialement. Enfin, à chaque Écoute. fois, c'est un défi à chaque fois, quoi. À Tu chaque fois. réfléchis du symbole, de ce que tu peux essayer de raconter, de ce que tu peux essayer de dire, et d'être en accord avec le récit, quoi. Et de l'ambiance de l'univers. Donc voilà. En tout cas, c'est ce truc que je suis en train de faire là, mais que du coup, je peux pas vous montrer malheureusement. Bah une chose à la fois, de toute façon, les gens sont pas là pour voir du scoop, ils sont là pour découvrir un peu de métier, je pense, un peu des petits trucs astuces. Du coup, je nous remets en grand écran tous les trois. Merci à toi, merci à tous les gens qui nous ont Merci à vous. suivis aujourd'hui. Je vais pas saluer tout le monde, je l'ai fait un peu au début du live. C'est très cool de continuer à avoir toute cette audience et de pouvoir partager. Franchement, super beau portfolio, super beaux échanges. Donc, merci beaucoup. Ouais, et des bonnes valeurs aussi, ça fait du bien, tu sais. Bah, Sa création au merci à service vous. d'idées, de valeurs, c'est toujours chouette, quoi. Bah, et puis merci à vous et à Adobe de faire ça parce que je suis déjà juste là-dessus. Mais du coup, je trouve que en fait, l'esprit motion design, et surtout depuis que ça a commencé en France, c'était le partage et tout ça. Moi, ce que j'ai pas retrouvé dans la réalisation, notamment sur Paris, etc., où chacun garde un peu ses secrets et tout ça. Et le motion design, moi, c'est ce qui m'a vraiment ouvert et ce qui m'a vraiment aidé à trouver des gens, à être plus ouvert dans les autres domaines qu'est la réalisation, tout ça. Parce que le motion design, enfin, c'est un peu le domaine des bisounours dans le sens où tout le monde
tout le monde s'entraide, partage, etc. Que ce soit des plus gros, des plus petits, genre les Beeple qui partagent des trucs, bah Mathieu qui partage énormément, qui aide beaucoup des plus jeunes, etc. Et enfin voilà, qui a plein de choses à dire. Donc c'est bien que Adobe puisse aussi effectivement soutenir un peu ces gens-là sur Ouais, le non, motion, qui est une très communauté présent très sur ça. partageuse. Ouais, carrément, Ouais. carrément. Bah, on était sur Donc voilà, donc Motion plus merci à Design vous. l'année dernière aussi. D'ailleurs, ils ont, je sais pas s'ils ont Ouais, la vendu tous billetterie est leurs ouverte billets. là. Ça y est, c'est ouvert et Ouais. c'est déjà parti ou pas encore? Où les gens réfléchissent au Je sais présentiel. pas du tout là. On saura ça bientôt. Voilà, en tout cas, Mathieu nous dit, ah, ça fait du bien d'entendre ça. Donc, si vous avez aimé le motion design aujourd'hui, demain, c'est très différent puisqu'on va parler création de costumes avec Jackie Taddeoni. Et on va être sur quelque chose de très différent. C'est elle qui a beaucoup travaillé avec Sacha Goldberger, qui avait fait toutes Les les super super-héros. mamies, Ah oui, c'est Mamika. vrai. Et plein de choses. Donc vous allez voir Ouais. comment elle utilise les outils. Enfin, vous allez surtout voir ce qu'elle fait et de quelle manière elle fait ça. Ça va être assez cool. C'est demain, 14h, avec Pauline, sur Adobe Live. Ça va Merci à être chouette. tous. Et ben retrouvez-nous Merci sur le beaucoup. Tout à fait. Discord. Bien joué. Voilà. Donc si vous voulez continuer la conversation, on vous attend sur le Discord. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a aussi tous les liens qui sont postés de ce dont on parle. Donc quand le chat disparaît, vous pouvez retrouver les liens sur le Discord. Donc voilà. Donc moi je suis très contente de recevoir Jackie demain. Merci Arnaud, c'était super chouette. Merci à vous. Et à Et très puis bientôt. Au merci revoir tout tout le le monde. monde. À Et bientôt, ouais. demain. Bye bye. Salut. Merci.